Bonjour à toutes et à tous, c'est Psy, on se retrouve en ce mardi 8 octobre 2013 pour une très grosse vidéo. Alors je vais commencer tout de suite par une mauvaise nouvelle, ça n'est pas le top 5, je suis désolé. La vidéo a pris un petit peu plus d'ampleur, enfin cette vidéo-là est un peu plus grosse que le top 5, fallait la faire aujourd'hui. Et franchement, vous allez voir, vous allez être content quand même parce qu'il y aura le top 5 cette semaine et plus cette grosse annonce. Donc en une semaine, il y aura du très lourd sur l'e-sniping. Donc cette annonce, quelle est-elle? Ben, vous avez pu voir sur le Twitter e-sniping hier qu'une LAN Glory for Gamer a été annoncée avec plusieurs infos mais sans vraiment de détails. Donc je vais essayer de vous détailler ça un petit peu plus longtemps. Déjà, un grand merci à Sohar Datsu pour son gameplay. Je suis vraiment désolé, on ne pourra pas passer son gameplay en entier. Tout simplement parce que je préfère une vidéo courte et que ça soit concis et clair plutôt qu'une grande vidéo, que ça soit long, ennuyant et que, que les informations soient étalées sur 10 minutes. C'est un choix personnel et je préfère que ça soit comme ça. Donc, une LAN Glory for Gamer qui va se séparer donc en deux parties. Une partie offline, c'est-à-dire une partie sur la console, sur le Xbox Live, et une partie en offline qui sera dans des locaux, et donc en LAN tout simplement. Donc, je pense que toutes les équipes connaissent le mot LAN, j'espère. Donc le tournoi sera payant au terme de 15€ par joueur. Alors 15€ par joueur, vous allez me dire, mais oui, 15€ par joueur, faut encore payer, machin, ça fait 60€ par équipe. Sachant que ça sera un énorme bracket et que les 16 finalistes, donc les 16 qui auront atteint une finale, se verront qualifiés directement pour la LAN et auront donc payé le ticket team 60€. Trouvez-moi une LAN aujourd'hui où le ticket team est à 60€. Bon, j'ai pas certes une connaissance de l'e-sport irréprochable, mais là, dans ma tête, ça soit Deserto ou e-sniping, il n'y en a jamais eu. Ou alors, s'il y en a une, ma foi, dites-le moi en commentaire et je mourrai moins bête ce soir. Bref, là n'est pas la question. 60€ pour vous qualifier à une LAN, c'est-à-dire que votre ticket team, je répète, vous le payez 60€. Je veux dire, c'est quand même énorme, sachant que le tournoi, voilà, on en prend 16. 16, c'est beaucoup, enfin, c'est beaucoup. Vous avez là, vous avez beaucoup de chance, si vous commencez à vous entraîner maintenant, vous avez largement moyen de rentrer dans le top 16 du bracket pour pouvoir vous qualifier. Donc, ça se passera quand? Tout simplement le 27 octobre, salle du player à Paris, au 161 rue Montmartre, comme ça vous allez avoir toutes les informations. Et l'avantage aussi de cette LAN, comme je sais que le rêve de beaucoup de gamers est de passer du temps avec ses joueurs IRL et non plus IG, c'est que la LAN est le 27 octobre et la Paris Games Week le 30 octobre. Ce qui veut dire que vous êtes à 3 jours de la Paris Games Week. Donc pour les teams qui ont vraiment envie de s'amuser et de passer du temps avant les fêtes de Noël ou quoi, voilà, vous pouvez passer par exemple un jour à la LAN et donc attendre 3 jours et hop, directement aller à la Paris Games Week sans pour autant faire aller en train, retour en train, aller en train, retour en train, vous payez qu'un aller-retour. Vous avez l'hôtel, honnêtement l'hôtel, il y aura des topics qui vont être faits sur le site e-sniping afin de trouver des hôtels à prix réduit pour justement que les teams puissent enchaîner LAN et Paris Games Week à prix mini. Donc franchement, cette LAN est une très 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 grosse LAN. Il y aura un stream, bien entendu, un stream qui sera fait en haute qualité, pas comme la intense LAN, tu as notre connexion et les petits problèmes qu'on a eu. Franchement, ça va être un énorme événement, et comme je vous l'ai dit, un ticket team à 60€, c'est quelque chose à ne pas rater. Donc, beaucoup de gens vont me dire, donne-nous la date du tournoi. Pour l'instant, la date du tournoi n'a pas été fixée, elle vous sera communiquée ultérieurement via les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Et si des gens ne nous suivent pas encore sur Twitter et Facebook, c'est l'occasion. Et s'ils ne veulent pas et préfèrent YouTube, c'est très simple, moi je ferai une annonce vidéo sans aucun souci pour la date officielle du tournoi Glory for Gamer, avec à la clé pour les 16 finalistes une qualification pour la LAN. Donc voilà, c'est déjà fini, ça a été très court, mais bon, je voulais vraiment faire quelque chose de clair et concis. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à les poser sur le Twitter e-sniping, @e-sniping-comp, ou sur le mien, si ma foi vous jugez bon que, enfin bon, généralement ce sera sur le Twitter e-sniping, ils seront beaucoup plus aptes à vous répondre que moi. Donc voilà, donc LAN GFORG, donc Glory for Gamer, avec un gros bracket online, 15€ par joueur, donc 60€ par équipe, et les 16 équipes qui se qualifient sont donc qualifiées pour la LAN, et donc ont un ticket team à 60€. Donc voilà, c'était Psylose, en espérant que je n'ai manqué aucune information et que j'ai été assez clair dans mes propos. On se retrouve pour la prochaine vidéo fin de semaine, c'est-à-dire le top 5, et ce week-end je ne pourrai pas faire de vidéo, comme vous le savez je suis à Londres à la Gfinity, donc on s'en retrouvera donc, pour le top 5 fin de semaine, et juste après pour encore les vidéos de la chaîne e-sniping. Écoutez, c'était un plaisir pour moi. Ciao, ciao!